partir du milieu du XVIIIe siècle, le château de Villette appartient à Sophie de Rouchy, qui est passée à la postérité pour avoir été l'épouse de Nicolas de Condorcet. Sophie de Rouchy et son mari applaudissent la Révolution française à ses débuts. Et bientôt, la terreur s'installe, étant des aristocrates, se trouvent menacés. En 1794, Condorcet sera arrêté puis guillotiné. Une fois que la terreur n'est plus à l'ordre du jour, Sophie de Rouchy rentre en possession de ses biens. Sophie de Rouchy aura des amants qu'elle mettra à contribution dans ce grand projet qui la mobilisera jusqu'à la fin de ses jours, l'édition complète des œuvres de Condorcet. Une femme engagée, une femme intellectuelle, une femme proche de sa famille, une figure véritablement humaine qu'il convient de redécouvrir aujourd'hui.